Bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, voici un rendez-vous qui marquera la clôture de l'an 2023. L'Église évangélique Christ Notre Salut, ECRISA, vous convie à prendre part à la convention dénommée CONCRADE 2023, organisée sous le thème « Les bienfaits de la crainte de Dieu », tiré du livre de Josué 24, de 14 à 15. Avec comme orateur, l'apôtre Joseph Mouteban Tamboué de l'Église ministère d'intercession et de prière El Kabod, l'apôtre Miké Deuteronome Mukendi de l'Église évangélique Arche du Salut Lubumbashi, le pasteur Jean Moukeba de l'Église évangélique missionnaire Pain de Vie, sans oublier l'évêque Jonas Lunkutumpala, hôte de la CONCRADE 2023, du 24 décembre au 31 décembre 2023. Oh,
Que Dieu te bénisse. Tu as très bien chanté. Le combat de 2023 vient de prendre fin. Et je suis à gagner. Est-ce que tu peux très bien l'acclamer? Au nom de Jésus. Je suis à gagner. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une acclamation de 2023. Nous voulons en finir avec 2023 pour passer à 2024. J'aimerais que tu acclames comme quelqu'un qui veut entrer en 2024. Saluons une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Et nous disons, nous vous présentons nos vœux le meilleur pour l'année 2024. Que l'année 2024 soit une année de bonheur, de prospérité, de longévité et une bonne santé au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons, par la grâce de Dieu, témoigner notre bénédiction. Il est dit, la maison qui reçoit des visiteurs, c'est une maison qui est bénie. Alors j'aimerais, toi qui as provoqué cette bénédiction, toi qui es ici, alléluia, nous voulons aussi t'honorer. Alors nous voulons commencer avec notre orateur, lui qui a commencé avec nous dès le premier jour, et c'est encore lui que le Seigneur a choisi pour nous parler ce soir. Avant même qu'il ne passe à la chair pour nous parler, nous voulons l'honorer, nous voulons le saluer. Et pendant qu'il se tient debout avec la délégation qui l'a accompagné, nous les saluons tous. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Merci beaucoup. Ici, c'est l'apôtre Mickey. De l'église Arche du Salut, un homme de Dieu très bien, un enseignant de la parole de Dieu. Quand il parle, on sent la présence de Dieu au travers de sa façon d'enseigner, de décortiquer les Écritures. Alléluia. C'est vraiment un homme de Dieu qui a beaucoup marqué ma vie. Depuis 2007, on s'est croisés à Kolwezi dans une grande convention à l'église évangélique Rama. C'est depuis ce temps-là que mon cœur était touché. Et chaque fois que nous l'invitons ici, il n'a jamais refusé. Vraiment, c'est un homme bien. Est-ce que nous pouvons acclamer la grâce de Dieu? Nous voulons également saluer un deuxième orateur. Il est du ministère d'intercession et de prière El Kaboud. Il est du côté golf. Il s'agit de l'apôtre Joseph. Pendant qu'il se tient debout, nous acclamons pour le saluer. J'aimerais que toi aussi qui es là, tu as reçu une invitation et
tu as répondu présent par rapport à ça. Ta présence est un honneur pour nous. Nous aussi, à notre tour, nous voulons t'honorer. Si tu es là, tu as reçu une invitation, tiens-toi debout, nous voulons te saluer au nom de Jésus. Si vous êtes là, vous avez reçu une invitation, tenez-vous debout, nous allons vous saluer au nom de Jésus. Est-ce que tu es là pour nous? Acclamer pour nous-mêmes qui sommes présents. Et bien, je voudrais te demander de faire quelque chose. Le problème de COVID n'existe plus. J'aimerais que tu puisses saluer quelqu'un pour la dernière fois en 2023. Que tu te déplaces de là où tu es, tu salues quelqu'un dans la salle pour la gloire de Dieu. L'adoration est une réalité personnelle ou individuelle. Et le deuxième principe, c'est que l'adorateur et l'adoration sont inséparables. Nous, nous sommes des adorateurs. Et notre adoration, c'est notre offrande. Oui. L'heure vient. Il est déjà venu, le vrai adorateur, adorant le Père en esprit en vérité. Étant des vrais adorateurs, nous allons prendre nos offrandes. Tu as ton offrande ordinaire, tu as l'offrande d'action de grâce, et tu as l'offrande pour bénir les hommes de Dieu. Avec ces offrandes, tu te tiens debout. Avec ces offrandes, tu es debout. Tu es debout en train de présenter ça à Dieu. Seigneur, je suis un adorateur. Voici mon adoration. Je viens te présenter mon adoration. Parce que je suis un adorateur, je te présente mon adoration. Mon offrande, Seigneur, c'est une adoration. C'est mon adoration. Je te présente mon adoration. Cette offrande, Seigneur, que cette offrande soit agréée par toi. Et ne fais plus pour ton enfant, afin que cette offrande puisse parler au devant des gens en ta faveur. Bien aimé, l'offrande parle. Si le sang de Jésus a parlé mieux que le sang d'Abel, c'est que ce sang de Jésus était aussi une offrande. Et cette offrande que tu es en train de présenter à Dieu, cette offrande parle devant de Dieu. Que cette offrande soit présentée au devant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors nous allons commencer avec notre femme ordinaire. Il ne te présentera pas dans la présence de Dieu avec le main vide. Voilà pourquoi nous commençons avec notre femme ordinaire. Nous allons passer en suivant l'ordre de protocole pour déposer nos offrandes dans le panier. Au nom de Jésus. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce de Dieu. J'aimerais que ce soit pour toi une occasion de dire merci à Dieu en présentant ton offrande d'action de grâce. Tu dis, Seigneur, je n'ai rien à te donner. Alors reçois cette action de grâce comme un signe de ma gratitude par rapport à tout ce que tu as fait pour moi. Il y a des gens qui ont échappé aux différentes maladies. Il y a ceux-là qui ont échappé aux accidents. Il y a ceux-là qui devaient être victimes de la sorcellerie. Mais cependant, le Seigneur a dit non. Parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Et comme nous sommes à la fin de l'année, l'occasion est là. Pour que nous puissions lui dire merci. Alors pourquoi en ce moment les protocoles? Nous allons passer et nous allons donner nos actions de grâce à Dieu. I'm going to go to the hospital.
bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Les hommes de Dieu sont une source de bénédiction. Quand un homme de Dieu déclare quelque chose, lorsque un homme de Dieu te bénit, quand il parle de la part de Dieu, il te bénit. Le Dieu qu'il sait agrège les déclarations. Dieu agrège les déclarations prononcées par ses serviteurs. Il y a des déclarations qui ont été prononcées et qui ont affecté positivement la vie. Mais Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alors je verrai maintenant que nous puissions bénir les hommes de Dieu. Ce que tu as prévu, viens mettre dans le panier. Au nom de Jésus. Rapidement, tu le fais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Celui qui est adorable, il est digne. On arrête d'abord les instruments. On arrête les instruments. Utilisez les instruments quand c'est le moment de le faire, mais lorsque il est question d'adorer Dieu, là, on devient très sérieux. Il est dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a des gens qui ont commencé avec nous l'année 2023, mais au courant de l'année, il y a ceux qui ont trouvé la mort. Il y a ceux qui sont malades. Il y a ceux-là qui sont attachés à des bonbonnes dans des centres de réanimation et ils vivent sous oxygène artificiel. Pendant que toi, tu es dans la présence de Dieu, il y a ceux-là qui sont en train de passer leur temps dans le monde parce que le diable a troublé leur intelligence pour qu'ils deviennent des candidats pour l'enfer. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui sont entassés dans des morgues et ils sont appelés cadavres. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui sont éprouvés. Il y a des gens, au lieu de clôturer l'année dans la joie, ils sont dans le deuil. Mais toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que tu sois en vie, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu ne te retrouves pas dans une morgue? Mais qu'est-ce que toi tu as donné à Jésus? Et en guise de reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour nous, voici le moment de l'adorer. Voici le moment de marquer notre gratitude au devant de ces dieux pour lui dire, nous n'avons rien à te donner à part t'adorer. Nous voulons, Seigneur, t'adorer. Nous allons dire à Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance, la magnificence, la révérence ainsi que la majesté.
Tu es le seul qui est digne d'occuper le trône de mon cœur. Tu es le seul qui a vaincu la mort. Tu es le seul qui a laissé la tombe vide. Le premier jour, tu étais dans la tombe. Le deuxième jour, dans la tombe. Mais le troisième jour, même la terre a dit non. Parce qu'elle ne pouvait pas contenir un grand roi. Le troisième jour, la terre a tremblé. Et le grand roi est sorti. Il est monté au ciel. Même la pesanteur n'a pas su le retenir. Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Il a regagné le trône de sa majesté. Et là, il est assis à la droite en train d'intercéder. Il n'a pas su le retenir. Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Il a regagné le trône de sa majesté. Et là, il est assis à la droite en train d'intercéder. Qui est comme Jésus? Il est l'incomparable. Il est l'admirable. Il est le prince Père. Il est le soleil de la justice. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Que là où tu es, que tu élèves ta voix et que tu élèves ta gloire, Jésus.
d'acclamation. Est-ce qu'un adorateur peut ajouter à son Dieu une offrande d'acclamation? Demandons au choriste de ne pas sortir de la salle après avoir chanté. Si vous sortez, c'est comme si nous sommes venus vous écouter, vous chanter, non. Vous êtes venus accompagner. Alléluia. Accompagner les adorateurs dans l'adoration. Mais lorsqu'il est question d'écouter Dieu, c'est nous tous qui sommes attentifs. Parce qu'un seul mot, une seule parole de Jésus dépasse 1000 mots des hommes. Et un seul mot de Jésus peut changer ta vie. Et comme l'année 2023 vient de jeter son encre, et qu'une nouvelle année va commencer, j'aimerais que la parole de ce soir, au-delà de bienfaits, de la crainte de Dieu, que ce soit une prophétie qui va te faire entrer dans ta destinée. Voilà pourquoi tu t'inclines en prière, tu prépares ton cœur. Déjà par l'adoration, tu es monté dans une dimension. Et la dimension que tu as atteinte dans l'adoration, tu vas dire maintenant à Dieu, mon cœur est déjà là, disposé, afin de t'écouter. J'ai écouté les hommes, ça n'a rien changé dans ma vie. Mais une parole venant de toi peut changer ma vie. De mettre fin au règne de mes souffrances. Et parce que c'est Dieu qui va parler au travers de son instrument. Selon qu'il est dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est un apôtre qui nous parle. Alors, bien-aimé, que ton cœur soit vraiment disposé, que tes oreilles soient ouvertes et que tu sois attentif au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le serviteur de Dieu, un double honneur. Alors, pourquoi nous allons nous tenir debout? Afin d'accueillir la parole de Dieu. Nous voulons recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et il a habité parmi nous. Et nous l'avons contemplé à la gloire de Jésus. Grâce sur grâce. Pendant que l'homme de Dieu monte pour nous parler de la part de Dieu, nous acclamons le Seigneur. Ce soir, parce que depuis que je suis entré ici, je sens une très forte onction de Dieu dans la salle. Il y a une très forte présence de Dieu dans cette salle. Et moi, je comprends que c'est une onction inaugurale. Je dis inaugurale. C'est-à-dire qu'il inaugure une nouvelle année.
qui va t'accompagner. Depuis janvier jusqu'au 31 décembre 2024. Je sens cette onction-là. Je ne sais pas si quelqu'un sent que Dieu est là ce soir. Qui sent que Dieu est dans cette salle? Moi, je sens qu'il est là. Frère, il ne vient jamais pour rien. Il ne vient jamais pour rien. Lorsqu'il vient, il a quelque chose à faire. Et moi, je crois que sa présence ce soir, c'est pour changer l'histoire de quelqu'un. C'est pour changer la destinée de quelqu'un. Voilà pourquoi je vois l'année 2024, une année glorieuse, pleine de témoignages pour le bonheur. Et là-bas, vont accompagner quelqu'un ce soir. Et je pense que ce quelqu'un-là, c'est toi qui dis Amen plus que l'autre. Alléluia. Est-ce qu'on peut monter? Alléluia. Est-ce qu'on peut aller plus haut que ça? Alléluia. Est-ce qu'on peut dépasser ça? Alléluia. Les miracles, on les provoque. Par ton amen, tu peux provoquer ta guérison. Par ton amen, tu peux provoquer ta délivrance. Voilà pourquoi il ne faut jamais être froid quand Dieu parle. Si c'est Dieu qui parle, reçois la parole avec empressement. Reçois la parole avec joie. Reçois la parole avec cri d'allégresse. Parce que ton attitude peut provoquer quelque chose. Et ce que tu acceptes va t'accepter. Et ce que tu refuses va te refuser. Voilà pourquoi Amen veut dire qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire, j'accepte que ce que l'homme de Dieu vient de déclarer, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Et je dis Alléluia. Je dis Amen avec joie, avec onction. Alléluia. C'est comme ça que j'ai vu des gens guéris. C'est comme ça que j'ai vu des gens morts ressuscités. C'est comme ça que j'ai vu le Christ disparaître. Voilà pourquoi la parole de Dieu n'est pas de la blague. N'est pas de la blague. Il faut prendre ça au Seigneur. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Là, je te le rassure au nom de Jésus-Christ. Parce que je sens Dieu dans cette salle. Et il est là pour toi. Il est là pour ton mari. Il est là pour ta femme. Il est là pour ton enfant. Il est là pour celui que tu as laissé malade à la maison. À ton retour, tu le trouveras en forme. Parce que nous te prêchons un Dieu de prêt. Un Dieu de prêt. Un Dieu de près qui est aussi un Dieu de loin. Il agit de près comme tu es là. Il peut toucher pour quelqu'un qui est au loin. Et ta présence peut visiter même ce temps. Et imposer silence à tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te bénis toi qui es là depuis dimanche passé. Et Dieu te bénisse, toi qui es là depuis dimanche passé. Et nous clôturons ensemble ce soir un jour prophétique
qui clôture la mer avec une grande convention. Que Dieu soit béni. Je dis que Dieu soit béni. Je bénis l'ange de cette église. Le bishop Jonas, que j'aime beaucoup, comme lui-même l'a témoigné, depuis notre première rencontre à Colézy, nous sommes restés attachés et nous cheminons ensemble par la grâce du Seigneur. Je bénis sa chère épouse parce que derrière tout homme puissant, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Voilà pourquoi je la bénis. Ma maman Esther, que Dieu la bénisse. Dites amen, que votre maman soit bénie. Dis bien, mais. Alléluia. Qu'elle soit bénie pour qu'elle reste une bénédiction. Aux côtés de ce grand homme de Dieu. Et que par elle, que son ministère aille de l'avant. Je bénis tous les orateurs. Notre papa, l'apôtre Jean, qui n'est pas là, que Dieu le bénisse. Et l'apôtre Joseph qui est là, que le Seigneur le bénisse pour sa présence ce soir. Et je te bénis aussi, toi qui es là. Il fallait que tu sois là pour que nous prêchions la parole de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Et je vais clôturer avec un court message, mais qui va bénir quelqu'un. Nous connaissons le sujet de cette grande conversation que nous avons tiré dans quel livre? Josué combien? Josué 24, verset 14 à 15. Quelqu'un peut réciter ça? Oui? Ok. Acclamez pour vous-même. Si j'avais demandé ça à un enfant de l'école de dimanche, il allait vous dépasser. Fais un effort pour retenir ça. Par cœur. Sans regarder dans la Bible, tu peux réciter ça. Et ça sera pour toi un sujet de prière. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut relire ça, Josué? Josué chapitre 24. Versets 14 à 15. Josué. Chapitre 24. La Bible dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. On acclame pour ce beau sujet, ce beau thème. Un thème très pertinent. Un sujet qui est très rare dans ce temps. Où les gens n'aiment pas qu'on leur parle de la crainte de l'Éternel. Mais je sais que le véritable enfant de Dieu
les cellules qui sont au milieu de nous vont beaucoup aimer ce sujet et le recevoir avec joie. Et Dieu vous bénisse. Je vais ajouter un autre texte. Et après, nous allons parler de la part du Seigneur. Nous parlons sur le bienfait de la crainte de Dieu. Ou les avantages. Lorsque quelqu'un craint Dieu, qu'est-ce qu'il va gagner en craignant Dieu? Prenons Malachie. Malachie chapitre 3. Faut pas chercher Malachie dans le Nouveau Testament. Faut pas chercher ça dans le Nouveau Testament. Malachie chapitre 3, nous lisons à partir du verset 13. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Écoutez ce que dit la Bible. Vos paroles sont rudes contre moi. Interprète-toi aussi le matin dans la Bible. Pour répéter ce qui est écrit. Vos paroles sont rudes contre moi. Dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer? C'est-à-dire, qu'avons-nous gagné? Tu n'as pas ta nini. Qu'avons-nous gagné? Tu n'as pas ta nini. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Écoutez ce que dit la Bible. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Écoutez ce que Dieu dit, c'est beau. Ils seront à moi. Dit l'Éternel des âmes. Ici, je voudrais que chacun commence à accompagner ça avec un amen. Regardez les avantages. Dieu dit ceci. Ils seront à moi. Dit l'Éternel des âmes. Ils m'appartiennent. Au jour que je prépare, j'aurai compassion de. Dis amen parce que c'est à toi que je parle. J'aurai compassion de. C'est-à-dire, j'aurai compassion de toi. Comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je pensais que quelqu'un allait dire amen parce qu'il sert Dieu. Parce qu'il craint Dieu. Mon frère, je voudrais faire sortir dans ta tête cette pensée de quoi? Et c'est en vain que l'on sert Dieu. Je voudrais dire à l'église,
Ce n'est pas en vain que l'on sait Dieu. Il y a beaucoup qui pensent que c'est en vain. Voilà pourquoi il y a trop de négligence dans nos églises. Les gens servent Dieu avec beaucoup de négligence. Parce que de la manière dont nous servons Dieu et de la manière dont nous servons les hommes, vous allez voir qu'il y a une grande différence. Nous respectons beaucoup le service des hommes, mais le service de Dieu, on le fait avec beaucoup de négligence. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui te pousse. Il faut qu'on te supplie. Il faut qu'on te cherche. Tu fais l'orgueil. Tu penses que tu es quelque chose. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est en vain que l'on sert Dieu. Tu penses que c'est en vain que l'on craint l'Éternel. Laisse-moi te rassurer. Ce soir, toi qui le sais, il y a un salaire qui t'attend. J'ai dit, il y a un salaire qui t'attend. Toi qui crains Dieu, ton salaire vient. J'ai dit, ton salaire vient. Voilà pourquoi l'année qui s'annonce, ça sera une année de différence. J'ai dit, ça sera une année de différence. Dieu lui-même me dit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant, celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Il n'y a que Dieu. Il y a la puissance, la capacité de faire la différence dans ta vie. Et cette année qui s'annonce, tu vas voir la différence. J'ai dit, tu verras la différence. J'ai besoin des amens, des gens qui croient que l'année 2024, la différence sera manifeste dans ma vie, dans mon mariage, dans mes études, dans ma santé, dans mes business, dans mon ministère, dans mes projets, dans toutes mes entreprises. Je dis, vous verrez la différence. Quelqu'un peut me donner un amen de joie. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer devant un salaire ou s'inquiéter devant un salaire. Lorsqu'on parle du salaire, le salaire réjouit les cœurs. Le salaire restaure la joie dans le cœur. Voilà pourquoi chaque fois qu'on te paye, tu prends ton salaire. Et avec joie que tu le prends. J'attends s'il peut ouvrir la réunion. Très bientôt, Jésus dit, je viens et le salaire dans ma main. Pour payer chacun selon ses œuvres. Si les hommes de cette terre, ils ont fui avec ton salaire, ils ont été fidèles, tu les as servis, et ils t'ont rien donné. Mais laisse-moi te dire, les dieux que je t'appelle, ce soir, cet après-midi, il est débiteur de personnes. Tout ce que tu leur as dit comme service, il te paiera. Je dis, il te paiera. Je dis, avant, il te paiera. Je dis, il te paiera. Sois rassuré que ton salaire est là. Et tu auras ton salaire. 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 Ce n'est pas en vain que nous le servons. Regardez ce que ces gens disent. Nous estimons heureux les hommes. Les méchants prospèrent.
qui commence à se comparer aux païens, aux méchants, aux pécheurs, aux gens qui ne craignent pas. Mon frère, ma soeur, je t'interdis ce soir de te comparer à un païen. Tu es plus qu'un païen. La grâce qui est sur toi, même si apparemment tu n'as rien, mais le païen a quelque chose. Tu n'es pas au niveau des païens. Ton niveau est très élevé. Je dis que ton niveau est très élevé. C'est comparer à un païen, c'est comme comparer la nuit avec le jour. C'est incomparable. Tu es précieux quand je te vois. Celui qui vit en toi, Jésus de Nazareth, il est au-dessus de tout. L'or lui appartient, l'argent lui appartient, le monde entier lui appartient. Tout est à lui. Même si présentement tu n'as rien, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Bientôt là, tu verras la différence. Bientôt là, tu verras la différence. Moi qui sais, Dieu, je t'encourage. Persévère, que personne ne te décourage. Et je ne te compare à personne. Je dis, ne te compare à personne. Je dis encore, ne te compare à personne. Pourquoi vivre dans des comparaisons? Fais ta vie. Maman, fais ta vie. Comment te comparer au voisin? Ton voisin, ce n'est pas toi. Toi, tu es ce que tu es. Même de la manière dont Dieu nous a créés. Frère, nous sommes tous différents. Même si on est des jumeaux, nés le même jour. Mais quelque part, il y aura toujours une différence. Pour dire quoi? Ce que moi je suis, ce n'est pas ce que toi tu es. Chacun, il est ce qu'il est. Voilà pourquoi je ne te compare à personne. Je ne fais la course avec personne. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Sois heureux avec ce que Dieu te donne. Qui me donne la main d'assurance de foi? Un païen, c'est mort. Mais toi, tu n'es pas un mort. Toi, tu as celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Il est en toi, tu vis avec lui. Et tu veux te comparer à un cadavre. Tu veux te mesurer à un cadavre. Nous sommes un peuple qu'Élohim a ressuscité. Un peuple qui vit. Voilà pourquoi il n'y a pas à se comparer. Ils disent les sauteurs sont heureux. Les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Mais ceux qui craignent l'Éternel, c'est parler entre eux. Et Yahweh fut attentif. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant Yahweh pour ceux qui craignent l'Éternel. Pourquoi un livre de souvenirs? Vous payez chacun selon son œuvre. Ah, j'aime Dieu. Si l'homme a oublié ce que tu as fait, Dieu n'oubliera jamais. Et la Bible déclare, Dieu n'est pas ingrat pour oublier l'œuvre de chacun. La dîme que tu as donnée, les offrandes que tu donnes, tout ce que tu apportes comme assistance à cette église, pour l'avancement de cette œuvre, il y a un salaire pour ça. Et Dieu te paiera pour ça. Même si nous, on oublie, mais Dieu ne peut pas oublier. Devant lui, il y a un livre de souvenirs qui va lui rappeler tes bienfaits.
qui va lui rappeler ta sanctification, qui va lui rappeler ta consécration, qui va lui rappeler toutes les bonnes œuvres que tu fais pour lui. Il y a un souvenir pour ça. J'ai dit, il y a un souvenir pour ça. J'ai dit, à cette église, il y a un souvenir. Tout cela qui souffre pour cette église, qui se donne corps et âme dans l'intercession, ils sont là tous les jours, ils servent Dieu. Même si les pasteurs ne vous donnent rien, lui il n'a pas un salaire à vous donner, mais celui-là que vous servez, il a un salaire. J'ai dit, il a un salaire et il vous paiera. Acclame d'abord pour toi-même. Maintenant, écoutez mes frères. Voilà pourquoi, avant de servir Dieu, cherche d'abord à savoir est-ce que c'est en vrai ou bien il y a un salaire. Nous le servons en désordre, frère. Voilà pourquoi on abandonne facilement. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille tel que Fungurume. Parce qu'on l'a insulté dans le travail. Et il abandonne le travail avec un salaire de 2000 dollars. Même si on l'insulte, demain matin, il est là, il travaille. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui nous donne les ailes? La persévérance. C'est le salaire. J'ai dit, c'est le salaire. Voilà pourquoi Moïse, avant de quitter l'Égypte, d'abord, il a fixé les yeux sur le salaire. Il a fixé ses regards sur le salaire. Il ne pouvait pas quitter l'Égypte, le palais royal, sans savoir ce qu'il attendait. Mais aujourd'hui, on fait semblant de croire. Être de servir Dieu, mais seulement l'œil de ce qui nous attend. J'aimerais ouvrir ton œil ce soir pour te rassurer que ce qui t'attend est glorieux. Ce qui t'attend est rocambolesque. Ce qui t'attend est précieux. Ce qui t'attend est étonnant. Ça va étonner tout le monde. Je dis, ça va étonner tout le monde. Voilà pourquoi David, avant d'affronter Goliath, il a commencé par se renseigner. Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui tuera Goliath? On lui a répété par deux fois. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Le roi a dit que celui qui tuera cet homme qui fait la honte sur Israël, qui jette le propre sur Israël, cet homme qui humilie Israël, celui qui le tuera, le roi le comblera des richesses. Et puis deux, sa maison sera affranchie à l'Israël. Et toi, le roi donnera sa fille à mariage. Quand David a entendu cela, David est allé se pointer devant Saül pour lui dire, moi j'irai me battre contre cet homme. Saül regarde David. Il lui dit, mais je suis un petit enfant. Toi tu ne feras rien. Frère, qu'est-ce qui a encouragé David à l'âge qu'il avait d'aller affronter un géant? C'était le salaire. Je dis, c'était le salaire. Mon frère, si tu ne connais pas ce qui t'attend, voilà pourquoi tu peux abandonner le réfléchir. Voilà pourquoi tu peux te décourager facilement. Parce qu'on t'a insulté. Parce que quelqu'un t'a marché sur le pied. Parce que personne ne fait cas de toi. Et tu peux abandonner facilement. Parce que tu es aveugle. Et tu ignores ce qui t'attend. Voilà pourquoi David a risqué de sa vie.
Il a pris le risque. Lui qui n'était qu'un enfant. Et il a affronté un géant. Un grand guerrier. Et David avait la foi. Il avait un Dieu vivant. Un Dieu capable. Un terrassé Goliath. Et lorsque David a terrassé Goliath, il a pris l'épée de Goliath. Il lui a coupé la tête. Et il a pris cette tête. Il est allé se pointer devant Saoul pour réclamer son salaire. Pour dire à Saoul, la tête de Goliath est là. Donne-moi maintenant mon salaire. Mon frère, tu ne peux jamais réclamer ton salaire si tu n'as pas continué Goliath. Ceux qui réclament leur salaire, ce sont ceux qui craignent les caméras. Ils ont vaincu Goliath. Ils ont vaincu l'adultère. Ils ont vaincu la publicité. Ils ont vaincu le mensonge. Ils ont vaincu l'escroquerie. Si Goliath est encore vivant dans ta vie, tu n'as aucun salaire à réclamer. Celui qui va réclamer, c'est celui-là qui a dans sa mère la tête d'un Goliath qui est mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes morts au péché. Le péché est mort à nous. Tout celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. C'est-à-dire le péché n'existe plus en lui. Donne-moi un amen et que cette grâce est venue pour nous. Dis amen. Et que le Goliath de ta vie, meurt ce soir, meurt ce soir, tombe ce soir, au nom de Jésus, je détruis en toi la puissance du péché. J'en ai appris la puissance du péché, la puissance de l'impudicité, qu'elle soit détruite en toi, qu'elle meure en toi. Qui croit que ça va mourir? Qui croit que ça va partir? Voilà pourquoi David pouvait réclamer le salaire, parce que la preuve était dans sa main. Un Goliath mort. Que Dieu te donne la victoire sur Goliath. Je ne connais pas c'est quoi qui fait ta honte. C'est quoi qui fait ta honte? C'est quoi qui fait ta honte? Je ne connais pas c'est quoi qui fait ta honte. Je ne connais pas. Mais à ce que je sache, le péché fait honte. Je dis le péché fait honte. Haïssez le mal, mes frères. N'aimez jamais le péché. Voilà pourquoi la crainte de l'Éternel s'est définie comme étant la haine du mal. Quelqu'un qui craint Dieu, il a en lui la haine du mal. Même s'il peut arriver qu'il pêche, mais ce n'est pas son désir de pécher. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui craint Dieu et qui lui arrive de tomber dans un certain péché, vous allez voir son attitude. Comment il va pleurer? Comment il va regretter? Mais quand toi tu pêches là, tu es tranquille. Tu perds ta virginité, tu es à l'aise, là, tranquille. Tu prends même un verre de lait, tu vois. Tu mets même la musique, tu commences à danser. Mais si Dieu te paie de quelque chose de précieux, tu n'as aucune inquiétude en toi, aucun souci en toi. Lorsque David avait péché, David n'était plus à l'aise. N'était plus tranquille. Voilà pourquoi lorsque David parle sur son péché, il nous montre comment ses os se consumaient. Obtenant de lui
Chaque fois que ce péché n'était pas confessé, David n'avait pas la paix. Il a même perdu sa joie. Voilà pourquoi dans le psaume il dit: restaure la joie de mon salut. Où était partie cette joie? C'est parce que David avait pris une femme d'autrui. Mes frères, vous qui prenez les femmes d'autrui, arrêtez au nom de Jésus de la grâce. Vous qui prenez des maris d'autrui, j'ai dit arrêtez au nom du Seigneur Jésus. Vous qui aimez ce que j'avais dit là le dimanche passé, même nos téléphones doivent se convertir. J'ai dit même nos téléphones doivent se convertir. Un chrétien c'est qui? C'est celui qui est capable. C'est son propre téléphone. Hein? Mais il sait choisir ce qui est bien et rejeter ce qui n'est pas bien. Mais toi, ce qui n'est pas bien, c'est là que tu ouvres grandement tes yeux. Tu peux veiller avec ça. Toute la nuit avec ça. En train de regarder. Et après, tu as des maris de nuit. Tu as des femmes de nuit. Et après, tu seras tout dans un hôtel avec quelqu'un. Mes frères, que Goliath meure dans vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Dis ta main parce que je vois un Goliath qui va tomber. Ajoute encore un amen parce que le Goliath de ta famille va tomber. Salut, tu humilies ta famille. À cause de ton sang là, le sang de ta famille, un sang impuric. Voilà pourquoi tu vas te retrouver que la même impunité que tu fais là, c'est la même impunité qu'avec ta grand-mère Ambroise. C'est un filial, c'est dans le sang. Et ce Goliath là, ce soir, il doit partir avec l'année 2023. Il appelle qu'il parte avec l'année 2023. Demain, c'est un nouveau jour. C'est une nouvelle semaine. C'est une nouvelle année. Des nouvelles choses. Une nouvelle vie. Des nouveaux projets. Une nouvelle destinée. Qui me donne un amen et reçoit ses choses. Qui me donne un amen et reçoit ses choses. Est-ce que tu veux t'élever et accueillir le bonheur? La prophète, la sainteté, la victoire sur le péché dans la nouvelle année qui s'annonce demain à partir de minuit. Tu peux te rasseoir. Maintenant, écoutez pour aller chuter. Dieu, c'est un Dieu de différence. Dis un Dieu de différence. Dis encore un Dieu de différence. Ajoute encore un Dieu de différence. Lisons le dernier verset en termine. Prenez Job chapitre 41, verset 11. Job 41, verset 11. Écoutez ce que dit la Bible. De qui suis-je le débiteur? De qui suis-je le débiteur? Ni pour la dernière, ok. Qui sont en Kenya. Ni pour la dernière, Dieu lui-même pose la question. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous le ciel. Tout m'appartient. Qui peut parler comme ça? Moi, je pensais que si tu avais bien compris, tu allais dire amen comme les autres qui ont dit amen. Tu sais, quand on lit la parole, prends ça pour toi. J'ai dit, prends ça pour toi. Peut-être tu peux te dire,
J'ai beaucoup servi Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Écoute ce que Dieu te dit. Il pose la question. C'est qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Dieu dit, je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. La France lui appartient. Les États-Unis lui appartiennent. La RDC lui appartient. La primature lui appartient. L'or lui appartient. L'argent lui appartient. Le trône lui appartient. La gloire lui appartient. Le succès lui appartient. La bonne santé lui appartient. Et la guérison lui appartient. Tout lui appartient. Et il va te payer. Et il va te payer. Il peut te donner la RDC. Il peut te donner le monde entier. Ton amère ne peut faire un sort. Et le porte souffre. Partout dans le monde entier. Et lui ne peut t'offrir le monde. Il a donné à Joseph. Il lui a donné l'Égypte. Parce que Joseph a créé Dieu. Devant la femme de Potiphar, Joseph a dit non. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme. La femme de l'un officier. Mais qui était derrière Joseph? Joseph est domestique. Mais qui craignait Dieu. Mais la femme d'un officier qui voulait coucher avec Joseph. Joseph a dit, j'ai reçu. Il a pris fuite. Il a laissé sa tunique entre les mains de cette femme. Elle a pris cette tunique. Elle a mis à ses pieds. Elle attendait le retour de son mari. Et quand son mari arrive, elle prend la pièce de conviction. Elle présente à son mari. Elle dit, regarde, cet esclave que tu nous as amené dans cette maison. Il voulait toucher à mon corps. Il voulait se jouer de moi. Mais qu'on parle à mal de toi. Mais qu'on ne te trouve pas dans ce mal. Qu'on te traite de tout et de rien. Mais qu'on ne te trouve pas dans la chose. Bref, tout mensonge collé à ta vie. Va se dissiper comme de la fumée. La Bible déclare, il accusera les cellules de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Je te parle de Dieu. Je parle de te justifier. Par tout frontal visé injustement. On t'a collé un mensonge. Et tout le monde te fouille. Tout le monde te rejette. Parce qu'une mauvaise langue est passée par là. On a détruit les relations. Mon frère ne t'en fait pas. Je t'amène un Dieu qui paye la sainteté. Un Dieu qui paye la sanctification. Il va te payer. Frère, Potiphar a pris Joseph et l'a jeté en prison. Frère, un innocent. Il se retrouve en prison. Et là, dans la prison, Dieu est avec lui. Et Dieu soit avec toi. Même là où les gens t'accusent. Même si tout le monde peut t'abandonner. Mais que Dieu soit avec toi. Je dis que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec cette église. Que Dieu soit avec tous les serviteurs. Qui le sert en Seigneur. Tous ceux qui chantent pour lui, que Dieu soit avec elle. Dieu était avec lui. Même en prison, Dieu était avec lui. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu a donné un songe à Pharaon. Et quand le songe est arrivé, personne n'était capable
d'expliquer ce son, d'interpréter ce son. Un seul qui était capable était resté en prison. La personne qui avait oublié Joseph, mais ce jour-là, devant le son de Pharaon, s'est rappelé de Joseph. Même si tout le monde a oublié, même si les relations étaient détruites, mais il y a un songe qui va restaurer toutes les relations détruites. Et ceux qui m'avaient oublié vont se rappeler de toi. J'ai dit, ils vont se rappeler de toi. J'ai dit, ils vont se rappeler de toi. Laisse-les oublier. Il y a un rêve qui va venir. Il y a un songe qui va venir. Voilà pourquoi Pharaon était obligé d'appeler Joseph. Et quand Joseph arrive, il donne l'explication. Et Pharaon dit, est-ce que dans mon pays, est-ce qu'il y a quelqu'un comme toi? À partir de maintenant, il n'y a que le trône qui va me séparer avec toi. Après-moi ici à l'Égypte. C'est toi, Joseph. De la prison au trône. Un étranger dans un pays étranger pour dire quoi? Tout appartient à notre Dieu. Il a donné l'Égypte à Joseph. Il peut aussi te donner la France. Il peut te donner les États-Unis. Et pendant que je parle, ça c'est une prophétie que j'attache à notre Dieu. Dieu va lui donner le monde. J'ai dit, Dieu va lui donner le monde. Attendez bientôt, vous allez voir. Il va sillonner le monde entier. Parce que le monde entier appartient à son Dieu. C'est Dieu qui l'a pris. C'est Dieu qui l'a tiré dans les séjours de mort. Pendant qu'il était mourant, les gens le pleuraient. Mais Jésus lui-même est descendu dans les séjours de mort. Et il a tiré les larmes. Et le peuple vient. Il y a le salaire qui attend. Le monde sera sous ses pieds. Et il va visiter le monde. Dieu lui donnera la France. Les États-Unis. La Chine, l'Europe, les Guadeloupe, Dieu lui donnera. L'Allemagne, Dieu lui donnera. Ça, c'est une prophétie. Écrivez ça. Et un jour, vous allez voir ça. Je dis, vous allez voir ça. Je prophétise sur quelqu'un qui m'écoute ce soir. Toi qui es là, et Dieu te donne. Tout est la force de l'île. Qu'est-ce qu'on t'a pris? On a pris ton mariage. Ce soir, Dieu te remet ton mariage. On a pris ta santé. Ce soir, Dieu te remet ta santé. Qu'est-ce qu'on a pris dans ta vie? Tout lui appartient. 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 Il a besoin de l'onction. L'onction lui appartient. Il veut guérir les malades. Il veut ressusciter les morts. Il a besoin de ça. Reçois cette onction pendant que tu parles. Je lui reçois cette onction. Tu vas commencer à chanter. Les gens vont commencer à tomber. Les démons vont quitter le corps. Les gens seront bénis à travers les cantiques qui sortiront de ta bouche. Tout est à moi. L'onction m'a passé. La grâce m'a passé. Je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. Si tu es prêt ce soir, reçois ton cabas. Reçois ton cabas. Reçois les deux.
qui me sert est celui qui ne me sert pas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons arrêter par ici. Tiens-toi. Lève ta main. C'est ma bonne aise. Mangari vient à Léo. Il faut la malice à une convention. N'a une guichon. N'a silence. Yakuseba. Masadaka yangu yot. Madini yangu yot. Présence yangu. Baifouashi. Aïten d'aboulé. Aïten d'aboulé. La vie d'un mini. Que moi et Mungu. Une ribata. Par monte. Par le soumikiaka. Mina omba. Mangaribi aleo. Mariere yangu yote. Mui mwaka ya sasa. Niko naingia. Yaze kuipata. Yaze kuipata. Yaze kuipata. Nasamehe yangu yote. Yaze kuipata. Katika jina la Yesu. Komanza tapele mele ya reklame kesho. Reklame kesho. Merci Seigneur. Elohim El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu compatissant, riche en bonté, dans la colère, qui bénit toute la vie des générations. Souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de tes enfants. Qui te sève, ne couille pas ma foi, ne couille pas la foi, qui se sent pour te faire toi.
Parlons en toi. Je suis libre. Je suis libre. Mon corps est libre. Mon corps est libre. Ma santé est libre. Ma santé est libre. Mes projets sont libres. Mes projets sont libres. Mon église est libre. Mon église est libre. Ma famille est libre. Ma famille est libre. Ma famille est libre. Ma famille est libre. Mon esprit est libre. Mon esprit est libre. Mon esprit est libre. Mon esprit est libre. Mon église est libre. Mon église est libre. L'année 2024 est libre. On va déchirer! On va déchirer! Je suis à vous chapitre 1er et le verset 21. Je lisais 2 Pierre, chapitre 1er et le verset 21. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Et le verset 28. Vous 28.
le centre jusqu'au verset 30. Voilà la pensée de Dieu pour le thème de l'année 2024, année de déclaration prophétique pour une percée exponentielle. Année de déclaration prophétique pour une percée exponentielle. Joël 2:28 qui dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Alléluia. Alléluia. Maintenant, De Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'année 2024. Le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Les jeunes gens auront des songes. Alléluia. Dieu dit ceci. Même sur mes serviteurs, même sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Alors, au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Si je le dis au nom de Jésus, je me suis, les noms spirituels, et tout étouffé, la veille qui commence. Même des noms spirituels vont revenir, reçois les noms spirituels. Il y a quelqu'un, reçois les noms spirituels, reçois les noms spirituels, reçois les noms de guérison, reçois les noms de guérison, reçois les parler en langue, reçois la prophétie, reçois l'interprétation de langue, reçois les noms de foi. Il prend Ezekiel, il le transporte dans la vallée
Que le Seigneur vous soit favorable et qu'il vous accorde ce que vos cœurs désirent.
dis merci à tous les invités qui ont accepté de venir nous honorer par leur présence. Je vous en remercie. Merci à tous les membres de l'église Ecclesia de la Roachie. Nous disons merci également à tous les membres du ministère international Prions pour le monde, ceux qui nous ont suivis passant par l'Internet. Là, je vois les différentes extensions de l'église Ecclesia, Ecclesia de Congo-Brazza, le Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, France, États-Unis, Guadeloupe, Martinique. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux-là qui se sont connectés à ce programme, ils reçoivent leur salaire au nom de Jésus. Et vous tous qui êtes présents, que le Seigneur vous bénisse. Bénisse vos vies, bénisse vos maisons, vos familles. Que le Dieu de notre alliance se tienne de vous. Je bénis tous les serviteurs de Christ, les anciens, les bergers, les évangélistes, les diacres, ceux qui la connaissent, les chefs de département, ainsi que les choristes, les protocoles, tous ceux-là qui se sont donnés pour la réussite de cette action. Et les faveurs divines soient votre partage. Que le Seigneur vous bénisse, soit favorable. Même les églises, les choristes, les codis. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Même les instrumentistes. Que le Seigneur le bénisse. Même ceux qui ont travaillé à la technique. Comme dans l'atmosphère des... Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, voici un rendez-vous qui marquera la clôture de l'an 2023. L'Église évangélique Christ Notre Salut, Ecclesia, vous convie à prendre part à la convention dénommée CONCRAD 2023, organisée sous le thème « Les bienfaits de la crainte de Dieu », tirée du livre de Josué 24, de 14 à 15. Avec comme orateur, l'apôtre Joseph Mouteba Ntamboué de l'Église ministère d'intercession et de prière El Kabod, l'apôtre Mikié Deuteronome Mukendi de l'Église évangélique Arche du Salut Lubumbashi, le pasteur Jean Moukeba de l'Église évangélique missionnaire Pain de Vie, sans oublier l'évêque Jonas Lunkutumpala, hôte de la CONCRAD 2023, du 24 décembre au 31 décembre 2023.